French flyweight Manon Fiore's undefeated run in the UFC has her marked as one of Europe's hottest prospects. The Beast began her martial arts journey as a child, following in the footsteps of her father. When he passed away, Manon turned her grief into motivation, eventually going pro and fighting her way into the UFC. Manon reveals more about her inspiring story in Origins. Mixed martial arts legitimized now in France. The door is now open and we're seeing professionals like Manon Fiore, just an astonishing resume all the way from the amateur days. We need new blood in the division. And what we could be seeing here is the emergence of a future contender. Oh, another one. That's gonna do it. First woman from France to get her hand raised inside the octagon. Beautiful elbows, beautiful side kicks. What a display of violence. The Beast again! And France has a legitimate contender in this flyweight division. Je suis née à Nice. Voilà, c'est une ville, c'est reposant, c'est calme. Alors, c'est une ville où il fait beau toute l'année, surtout, ça, c'est important. Il y a la mer, il y a la montagne, donc on peut faire beaucoup d'activités. Là où il y a eu mon club de karaté, donc c'est là où j'ai passé le plus de temps, toute mon enfance. Bon, salut Manon, comment vas-tu? Ça va? Ouais, c'est là, en fait, c'est là que tout a commencé, quoi, avec les sports de combat. J'ai tout de suite vu à l'entraînement qu'elle avait des qualités athlétiques, hein, un peu hors normes. Je sais que quand je la vois faire des coups de pied, je sais d'où elle tient ses coups de pied, notamment le coup de pied latéral de côté. Et je lui ai toujours dit, garde un peu ce côté du karaté, c'est ce qui fera la différence. Commencer à faire des compétitions, tout ça, c'était karaté à l'âge de 7 ans. J'ai mis quand même déjà 3-4 ans à arriver au niveau, à faire partie de l'équipe de France. J'ai commencé d'abord avec la boxe thaï et le kickboxing. J'ai fait 15 combats pour 15 victoires. Ronda! Comment elle s'appelle? Ronda. Comme Ronda Rousey. C'est vrai? C'est un dommage. Ouais. Voilà, et moi et mon papa, c'est mes préférés. C'est le fait que mon papa était lutteur. J'ai les souvenirs de où je l'accompagne sur plusieurs compétitions, où je le vois lutter, où je viens aux entraînements, où je l'attends. Je préférais les sports de contact comme le karaté, la boxe, j'étais plus attirée vers ça. J'avais qu'une envie, c'était de faire des compétitions, donc bien sûr, il m'emmenait et m'accompagnait. Donc après, il était toujours super fier. Et en fait, quand j'ai commencé le karaté, j'ai dit à mon père, du coup, bah, je vais être comme Christophe, je vais être champion du monde de karaté. Donc ça a commencé voilà, comme ça. En 2016, ça a commencé, il a eu un accident, un grave accident, où en fait, il a perdu la mobilité de son bras. Là, bah, il était pompier professionnel, donc il ne pouvait plus y travailler. Voilà, suite à ça, la vie était trop compliquée, je pense, pour lui. Et bon, je vois comment... Ouais, voilà. Le week-end, j'avais une compétition de kickboxing, je crois. En fait, au début, bah, sur le coup, voilà, j'ai dit, c'est bon, on arrête tout. Puis après, il y a ma mère qui m'a dit, tu sais, de toute façon, ça va rien changer et je pense pas qu'il aurait voulu que t'arrêtes tout. Donc, fais cette compétition, fais-le pour lui et voilà, tu vois. Ça a été une semaine compliquée, mais en fait, j'ai continué de m'entraîner. Je continuais à m'entraîner, je pensais qu'à lui. Ça me rapprochait de lui aussi, quelque part, de faire du sport, quoi. Et en fait, je suis rentrée sur le ring et bon, je pense que ouais, j'avais une certaine rage en moi et tout ça. Et en fait, le combat, il a duré 20 secondes, je l'ai mis KO et voilà. Je sais pas comment j'aurais surpassé cette épreuve, en fait. C'est vraiment ce qui m'a aidée, c'est
De là où il est, il voit ce que je fais. Donc je suis obligée de continuer et quoi qu'il arrive, il faut que je fasse ce qu'on s'était dit, quoi. Et après, c'est pendant mes entraînements de kick et de boxe fight en fait, que j'ai découvert le MMA par des autres gens de la salle qui m'en ont parlé. J'ai commencé à regarder des combats, tout ça. En fait, un qui m'a inspiré aussi au tout début, c'était Lyoto Machida, parce qu'il était un karatéka aussi. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas, il vient du karaté, il est passé au MMA, peut-être que c'est possible. Female bantamweight quarterfinals, the very first round here at the IMAF World Championships in Vegas. Alors en fait, moi je sortais des championnats du monde amateur en 2016. France's Manon Fiorot in the blue corner. Fiorot known for her big power punches, so watch out for those. Nice body kick there by Fiorot. Mais en fait, du coup, à cette époque-là, je faisais pas vraiment de MMA. Je fais un peu de boxe dans une salle, un peu de jiu-jitsu dans une autre. Norway got the squeeze going down here in Vegas, and I think we may have seen a tap, and it's all over. Peut-être que si, faudrait que je trouve un club vraiment de MMA avec des pros, tout ça. Un ami qu'on avait en commun m'a conseillé le Boxing Squad, donc la salle d'Aldric. Dès le premier entraînement, j'ai vu qu'il y avait un potentiel vraiment, vraiment énorme. C'est ça. Si en plus tu peux le fatiguer là-dedans, c'est bonus. Tu voyais déjà qu'il y avait de l'envie et de l'agressivité. J'ai juste vu qu'elle manquait de technique, et notamment lutter au sol. Il y avait juste à peaufiner des axes de travail parce qu'en fait... Please welcome from France, Manon Fiorot. Elle avait un titre mondial en amateur. Elle avait deux titres mondiaux en professionnel. Je lui avais expliqué qu'avec le Covid, l'UFC faisait des signatures en assez courte durée, en assez short notice. Elle était préparée pour ça. Oh! Oh, she's gonna shut it down. Rosalie's about to step in and it's over. Manon Fiorot, your new champion. Elle avait coché déjà toutes les cases, donc c'était juste une question de temps. A lot of hype coming in behind Fiorot into her UFC debut. She came through the IMAF, the International Mixed Martial Arts Federation scheme, like the Amateur Olympics for MMA. And Fiorot says she has worked on her wrestling to try to become a more complete martial artist. That's one of the areas you worry about whenever a fighter is a traditional striker. Can they add in the wrestling? And Manon shows that she's been working in that area. Oh, this may be it. She gets a win in her debut. Wow. What a fantastic performance by the Frenchwoman Manon the Beast Fiorot. J'ai la chance qu'il me connaît par cœur. Et voilà, en fait, il me donne des consignes très simples, entre guillemets. Il reste très concentré, enfin très calme. Oui. Availle un tout petit peu plus en feinte et c'est parfait. C'est très bien, Manon. Oh, look at that. Voilà, je pense pas que je serais arrivé à ce niveau-là sans lui, c'est sûr même. Aujourd'hui, pour moi, c'est la numéro 1 mondiale déjà. Coréa Krim, on va le montrer. Bah, j'y suis, franchement, déjà d'être arrivé là où je suis, c'est... Enfin, pour moi, c'est déjà une partie de rêve qui est réalisée, mais après, maintenant, il faut aller au bout, quoi. Mais ouais, bah, carrément, moi, c'est le but, ce serait vraiment de prendre cette ceinture et... Justement, ouais, je pense que ça ferait du bien au public français de voir que même les femmes sont capables de percer à l'UFC et de prendre une ceinture et une française, quoi.